Parce que s'il n'y avait pas de confinement, nous nous regrouperions près des monuments aux morts, nous évoquerions des millions de morts et nous aurions honte que les guerres n'aient jamais cessé alors que nous avions proclamé c'est la guerre des guerres. Nous n'avons pas réussi à gagner la paix et c'est un peu décourageant. Je vous suggère une méthode pour rester dans l'espérance. C'est de penser que de toute manière, dans toutes les situations, il y a quelqu'un qui grandit en humanité. Une petite histoire. Une mère avait deux filles. L'aînée vendait des parapluies et l'autre des sandales en toile. Quand il faisait soleil, la mère se désolait. Mon aînée va faire faillite. Et quand il faisait de la pluie, elle se désolait. Ma cadette va faire faillite. Elle n'était jamais en forme, cette brave dame. Elle va trouver un médecin qui lui dit, quand il pleut, pensez que l'aînée fait des bonnes affaires et qu'elle rend des gens heureux en vendant des parapluies. Et puis quand il fait soleil, pensez que votre cadette a un commerce prospère et qu'elle fait des heureux en leur donnant des sandales. Depuis ce temps-là, la mère rit et sourit, quel que soit le temps. Oui, dans le contexte du confinement, de l'insécurité et mille autres choses préoccupantes, il y a des gens qui grandissent en humanité. Pensez-y et vous vivrez une bonne journée. Bonne journée.